Ça marche? Je vlog. Wesh YouTube, ça va pas le faire. Right. Coucou tout le monde, c'est CocoLiner. Back sur YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en train de vlogger. Je pensais pas que ça arriverait aussi vite, clairement. Comme vous pouvez le savoir ou non, je vous avais dit que je voulais un peu changer de format de vidéo, un petit peu de style de vidéo, parce que j'en avais un peu marre d'être toujours face caméra. Même si bien sûr j'en referais plein juste face caméra, voilà, je voulais un peu changer. Donc voilà, je suis en train de vlogger avec, comme vous pouvez vous en douter, une caméra qui coûte extrêmement cher. Donc je l'ai eu à Noël, je suis ultra contente parce que vous savez que ça faisait très longtemps que je la voulais. J'ai une crampe au bras, mon dieu. Je découvre les dessous du vlog. J'ai pas été très originale, hein. C'est le Canon G7X qui a une qualité de dingue et que je voulais vraiment parce que c'est vraiment ce qu'il faut quand tu veux faire un peu de vlog, même de la photo. Donc voilà, je suis ultra contente. Le programme d'aujourd'hui, ça va partir un peu en steak cette vidéo, je sais pas encore exactement. Je voulais vraiment tester ma caméra. Donc voilà, j'ai passé la journée avec ma soeur, on va faire un peu de shopping et tout. Et on finira sûrement avec une vidéo face caméra, donc comme vous en avez l'habitude. Parce que voilà, maintenant peut-être que je commencerai certaines de mes vidéos par des vlogs un peu comme ça, un peu plus spontanés. Et après j'enchaînerai sur des vidéos que vous connaissez face caméra. J'espère que ça va vous plaire. Et je vous emmène avec moi. Regardez ce que j'ai eu pour Noël. J'ai eu un livre de Cara Delevingne. Je savais même pas qu'elle faisait des livres. J'ai eu la bio de Jérém Star, je la voulais grave en plus. Donc j'étais trop contente. Et enfin j'ai eu en plus un livre de Fabien Olicard. Donc en gros ma mère, une fois avec ma soeur, on l'a saoulée. On testait sur elle des trucs de mentalisme. Elle s'est dit je vais leur acheter le livre. Il est trop bien. J'ai commencé à le feuilleter, genre c'est hyper bien. T'as grave des techniques pour apprendre des trucs et pour genre impressionner tes amis. Et en parlant de cadeaux, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur mes cadeaux de Noël prochainement. Mais bon, comme je vous le disais, en fait ma caméra c'est vraiment mon cadeau principal. Donc j'ai surtout demandé de l'argent. Donc voilà. Mais si ça vous intéresse quand même que je vous montre mes cadeaux de Noël, dites-le moi. Voilà ma magnifique caméra. Elle est hyper belle, surtout qu'elle a un retour arrière qui est comme ça, donc c'est juste ultra stylé. Mais bon, vous la connaissez je pense parce que beaucoup de youtubeurs l'ont. Et j'ai acheté avec le petit trépied que je peux poser partout, donc c'est génial. Il y a pas d'avion Lyon-Perpignan, donc je viens de coltiner 4 heures. Il y a la gare perdue il y a 5 heures. C'est une blague, regardez-le, ça faisait longtemps que vous l'avez pas vu. Ah mon petit coco, ça va? Tu es quand même l'origine du nom de ma chaîne, tu le sais ça Dozou? Il passe sa vie sur mon lit en ce moment, je crois qu'il est vraiment amoureux de moi, c'est abusé. Oh non, on adore la petite truc que j'avais fait genre il y a ultra longtemps. Regardez-moi comment c'est moche. Je vous montrerai. Pourquoi est-ce qu'on garde ça? Bref, donc regardez-moi ce beau sapin. Oh loulou. Mais surtout, j'ai eu ce t-shirt hier. Il est beaucoup trop beau. C'est un t-shirt LS. Je le voulais trop. Je l'adore. Donc voilà, aujourd'hui on est le 26 décembre et du coup j'ai reçu mes cadeaux un peu de Noël hier. J'ai vu ma famille. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Moi, c'était super cool. Marie, t'es prête ou pas? Pourquoi tu veux acheter un cadeau pour Julien? Ah, pour Noël? Qu'est-ce que tu me veux? C'est bien ou pas? Ok les gars, mission commando. Ma soeur, pendant son calendrier, elle l'a pas bouffé parce qu'elle était en médecine et qu'elle était stressée. Du coup, elle m'a montré hier, elle a un énorme tas de chocolat. Et je sais pas où elle les a mis dans sa chambre. Donc on va tout de suite aller les chercher. Je sais pas où elle les a mis. Genre il y avait une montagne de trucs, genre il y avait des petits œufs, il y avait des gros œufs, il y avait tout. Oh my god, je les ai trouvés. C'est trop beau. Vas-y, j'en prends vite. Regarde nos têtes. Bon, on y va? Ouais, c'est parti mon kiki. Allez go. Viens montrer comment t'es habillée. Très simple. Allez go. On va dépenser nos sous. Ouais, enfin moi j'en ai plus beaucoup mais bon. On va essayer de voir s'il y a des trucs jolis. Surtout je crois qu'il y a grave des décorations de Noël. Ouais. Donc on va aller voir ça. Ah oui, il y a un sapin. Ouais, il y a un sapin, je crois, il y a des trucs cool. Ouais. C'est un peu gênant, mais bon, on s'est habitué, écoute. C'est surtout moi qui suis gênée en vrai. J'ai pas vraiment l'habitude de vlogger dans un lieu public. Non, arrête! Elle veut faire jour, elle me connaît pas, c'est une blague. Tu trouves pas ta taille, Marie? C'est chiant. La déception. Y'a que du L. Y'a que du L? Ah merde. Ça, c'est bien relou. Pas mal, hein? Je sais pas.
Ouais, mais tu vas pas avoir froid. Je sais pas. Ouais. Mais non, c'est là, ça va être tout bien. Un bambe. Yes, girl. Me and my girls, me and my girls, me and my girls, me and my girls, me and my girls. Coucou mon amour. Bah alors, on t'a manqué? Pense à faire des virements quand tu en auras trop sur ton livret pour que ça rapporte, il faut les laisser du 1er au 15 ou du 15 au 30. C'est comme le Monopoly. Comme le Monopoly, je suis morte. On voit que tu t'intègres bien dans le monde adulte. Bon, du coup, on va filmer une vidéo avec Marie, comme vous l'avez dit. Donc, on va installer tout le setup. Tu m'aides ou pas? Bitch. Tu me réponds pas. Allez. Non, je t'aide pas, meuf. Oh, mais c'est long. Mais... je te mets les éclairages à installer maintenant. Bref, parce que je suis devenue une vraie youtubeuse. Marie, tu mets du LED, mais tellement. Il y a un éclairage, je comprends. On y déteste les éclairages. Il va se barrer dans 2 minutes. Bon, on est prête à tourner. Yes. T'as mis ton petit haut que t'as acheté? Oui. Magnifique. Je suis sans balai. T'es souris? Oui. Ah. Dis-moi pas que je dois aller chercher mon téléphone dans tout ce bordel. Colère? Meuf, c'est hyper gênant, je suis sur le devant de la caméra là. Ça filme? Je me sens pas bien. Help! Je suis ultra gênée. Putain, je fais que regarder le retour, Miskina. Oh, bande de bébé. My phone! My fucking phone! Ah oui, alors. Ok, bitch. Ok. Bon, du coup. Are you ready? Yes, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, les amis? Un petit. Comment on pourrait appeler ça? Un retour en enfance. C'est toi qui as trouvé le nom. Ah oui. Merci pour une fois. Parce qu'à chaque fois que je lui demande, j'ai juste. Ouais. Ouais, Disney Edition. Disney Edition. Yes. Bon, si vous êtes quelqu'un comme nous, voilà, on assume enfin devant vous. Voilà, on aimait bien tout ce qui était les séries un peu Disney Channel. Ouais, carrément. Toi-même, tu sais, tu connais, fais pas genre. On va aujourd'hui écouter en fait les musiques des meilleurs Disney. Ouais. Genre les génériques et tout, c'était hyper bien, c'était la base. Ouais. Enfin, personne qui kiffait, c'était marrant. Ouais, mais par contre, c'est gênant parce que vu qu'on comprenait pas l'anglais, on a pas les vraies paroles. Voilà. Quoi. C'était des vieux délires quoi, ouais. c'est la jeune enfance, c'est la jeune époque. Mais yes. Franchement, c'était cool. Donc, si on assume. Ouais, grave, on assume. Si vous connaissez vous aussi les morceaux, je pense que vous allez connaître. Enfin, les ouais, génériques, forcément. Dites-les nous en commentaire, ouais. Dites-nous aussi les séries que vous regardiez parce que c'était vraiment la base quand on était gamin. Et voilà, donc on va essayer d'écouter ça. C'est parti. Au début, on voulait faire un peu un try not to sing, try. Ouais ça. Ouais mais non en fait. Try to not sing. Mais bon on se dit en fait on va juste craquer au bout de 2 secondes donc on va. Ouais on va puis c'est fait, ouais. On va juste écouter les génériques des séries qu'on préférait et on va voir si vous connaissez les bons bails. Non ce n'est pas un partenariat avec Gilbert. Ouais grave. Ce n'est pas un partenariat. Merci au revoir. Ouais. J'aimerais bien mais non. Bon du coup on va lancer. Ça va non. Ça on connaît. Petit aparté, c'est genre la best série ever. Ouais, tout le temps. Genre ça, vraiment, Jessie, ça, on n'a jamais trouvé quelque chose qui dépassait. Ouais, ouais. C'est notre kiff préféré. Ouais, hardcore. Always gonna be another mountain. I'm always gonna never make it move. Always gonna be loving by then. Tu connais pas les paroles? C'est tout bien ça. Everything is not what it seems.
pour info, moi je sais qu'en tout cas, genre ma passion ultime, genre ma chanteuse préférée, genre de toute mon enfance, c'était Selena Gomez. Du coup, bah alors en fait, je connais vraiment toutes. Et moi, du coup, je connais toutes aussi. Du coup, aussi, parce que je les écoutais tout le temps. Du coup, Marie les connaît par cœur aussi. Merci qui, merci Jeanne. Ouais. Bref, vraiment, c'était toute ma vie. Genre, Selena Gomez, c'était toute ma vie. Donc, je la kiffe encore, mais vraiment, avant, c'était genre, moi, je l'idolâtrais. Mais avant, t'avais les clips qu'elle faisait. Ouais. Non, mais du coup, je connais toutes ces anciennes musiques, genre, qui datent de ces vieux trucs, tu vois. Mais genre, moi, je les connais, elles sont. En fait, nous on connaissait à la base de Mary Poppins, mais version française. Et ouais, c'est ça, c'était un peu gênant. C'était trop la vie, celui-là. Il est quelle heure? Ça, c'est quand proche? Les paroles. C'est High School Musical, High School Musical. Mais ça, un peu moins moi. C'est vraiment bien. J'aime le parce que tout le monde adore. Quoi? Tout le monde adore. Tout le monde adore. Tout le monde adore. Anna Montana, c'était la vie. Ouais, vraiment. La vie. Mais ça date tellement. Parce qu'Anna Montana, genre ils ont arrêté la diffusion il y a beaucoup plus longtemps que tout le reste. Ouais, c'est vrai. Genre on regardait encore Jessie, mais il y avait plus ça, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah, je connais. Selena Gomez. Ah oui. So just stand and die. It is a baby, things are crazy, but I know you can shoot that. Ça, c'était quoi? Bonne chance, Charlie, non, c'est pas un truc comme ça? Ah, ouais. Non. Bonjour, Charlie. Non. Bonjour, Charlie. Non, c'est bonne chance, Charlie, non? Ah, mais oui, c'est genre, il filme pour le bébé. Ouais, c'est la go, là, elle filme tous les jours. A2. C'est ça, veut, là, ouais. Tiens. Bon, c'est terminé. Le retour en enfance est fini. On espère qu'on n'est pas seul dans les délires, mais je pense pas quand même. Parce que c'est les gens qu'on connaît pas tous. Ouais. Oui, par contre, il y a plein de musiques qu'on a sauté parce qu'on connaissait pas. Hein, désolé. C'est les bails genre des gens qui ont notre âge, genre entre 16 et 19 ans, non? Bah ouais, elle a fait que le jet de Bélos de 25 ans. Non mais bref, oui, mais c'est parce qu'on a des petits frères et des sœurs. On écoute les musiques qu'on a entendues, quoi. Oui, on a raison. Bon, on espère que vous avez aimé, que ce petit retour en enfance vous a plu. Ouais. Si vous voulez avoir Marie dans une prochaine vidéo, dites-le. Et voilà, j'espère que vous avez bien aimé le format début vlog, un peu shopping et tout, et après la vidéo normale. Je vais galérer pour le montage. RIP. On vous fait plein de bisous, et on vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Kiss. Bye.